Salut et bien le bonjour à tout le monde. Eh bien écoutez, voilà, bienvenue dans ma grotte, ma caverne antivirale, qui me protège bien de l'extérieur, mais qui m'embête un peu parce que, étant coupé un petit peu du monde, ben, on risque de s'ennuyer par manque de communication. Alors, écoutez, j'ai eu une idée. L'idée, c'est de vous faire partager la naissance, la conception et la naissance d'un cerf-volant. Un cerf-volant que je compte présenter au concours de création de cerf-volant au Festival de Dieppe qui aura lieu en septembre. Alors d'ici là, je pense qu'on aura eu le temps de respirer un peu, qu'on aura eu le temps de s'oxygéner et de reprendre quelques bonnes coronas avec des copains, mais cette fois-ci vraiment pour le plaisir et pour s'amuser. Alors le thème cette année à Dieppe en 2020, eh bien, ça sera la planète à l'honneur. Alors quoi de mieux pour honorer la planète, eh bien, que de la représenter, bien sûr, et puis de l'habiter avec un petit personnage, moi, que j'aime beaucoup, et qui s'appelle le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors, l'idée m'est venue comme ça, en me disant, bah, tiens, dans le fond, si la Terre se mettait à nous parler, bah, je crois qu'aujourd'hui, elle nous dirait, dans toutes les langues, « Sauve-moi, help me », pour essayer un petit peu de nous rappeler que bah, c'est elle qui nous porte, et puis qui nous permet de vivre, de respirer. Et aujourd'hui, on se rend compte que la respiration, ben, c'est quelque chose de vital avec ce fichu virus qui nous empoisonne la vie. Alors, voilà comment j'ai procédé. D'abord, j'ai recherché sur Internet le motif du Petit Prince, qui est assez facile à trouver, mais alors qui est en petite dimension. Donc, j'ai détouré le personnage, je l'ai redessiné avec un logiciel qui s'appelle Inkscape, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver sur Internet, et qui va permettre donc de redessiner les motifs que vous voulez reproduire. Alors le principe ici est le suivant, c'est que je vais découper chaque morceau de tissu dans la couleur qui lui est attribuée, et je vais le repositionner sur une forme que pour moi je pense qui sera volable, hein, qui pourra planer dans le ciel. Alors bien sûr, il y a toujours un pari, hein. Est-ce que ça va fonctionner du premier coup? Est-ce que ça va bien voler? Est-ce que ça va pas être un cerf-volant instable? Ça, personne ne le sait, parce qu'on est dans le domaine du relatif. Ça, c'est aussi la magie du cerf-volant. Donc voilà, je vais avec vous filmer chacune des étapes, les unes après les autres, puis essayer de vous filer un peu quelques astuces, quelques trucs qui vous permettront peut-être aussi de votre côté de réaliser des cerfs-volants. C'est un cerf-volant qui nécessite bien sûr des matériaux modernes, hein, qui vont être le spinnaker, la toile synthétique, le carbone. Bon, des matériaux que tout le monde n'a pas, mais là on rentre dans une fabrication, disons, contemporaine, occidentale, qui n'a rien à voir avec ce que font les Asiatiques, les Chinois, qui travaillent le papier, la soie et le bambou. Voilà, bah, bienvenue, et puis j'espère que ce petit voyage qu'on va faire ensemble va se terminer à la fin de cette fichue épidémie par un bel envol que je dédierai en tout premier lieu à tous ceux qui vont nous soigner, qui nous soignent et qui prennent des risques infinis pour que les gens puissent survivre à cette épidémie. Bon courage à tous et puis restez chez vous, dans votre cave, dans votre caverne, dans votre lit, où vous voulez, mais restez chez vous. À bientôt.